carte offerte pour toute offre de prix supérieur au prix d'un abonnement à la revue Nature. Et pour le lot suivant, une offre exceptionnelle. Deux pour le prix d'un. Le râleur et le révolté enrobé de pastis. Ce duo de choc vous dévoile la recette de l'argent facile sur leur dos de leur propre espèce, les chercheurs. Non, ah bah non. Bah, il y en a un des deux qui est pas chercheur. Mais il était tellement mignon que je l'ai... Enfin bref, ils feront des plus fidèles compagnons pour vous, c'est sûr. Et en plus, ils gèrent leur paperasse administrative tout seul. Mesdames et messieurs, découvrez la recette miracle de Jean et Karim. Albert. Quoi, René? Non, non, rien, rien. Albert! Mais quoi, René? Je peux jouer? Oui, oui, excuse-moi, je me demandais... est-ce que tu as enfin fini d'écrire ton article, tu sais? Mon article... Eh ben non, René, je n'ai pas fini de l'écrire. Figure-toi qu'en plus de cet article, je suis en train d'en évaluer 12. 12. Ah ouais. Ah, et vous, les chercheurs, vous passez plus de temps à évaluer des articles qu'à en écrire. Bah, disons que je cherche un équilibre. Ah, si tu prends autant de temps pour évaluer ces articles que pour lancer cette boule, j'espère que tu te fais grassement payer, hein. Ha ha ha. Eh ben non, René, figure-toi que c'est bénévole. Yeah! Eh oui, ça fait partie du boulot des chercheurs. Ah oui. Oui, enfin bon, du coup, tu penses le terminer quand? Ah ben, tu sais, c'est long, hein. J'ai pas terminé, il me manque des références bibliographiques. Et la bibliothèque n'a toujours pas à renouveler ses abonnements. Ben oui, ça coûte de plus en plus cher, tu sais. Oui, enfin bon, cher, cher, genre, c'est genre combien? Ben cher, c'est 3 millions d'euros. 3 millions? Ben oui, 3 millions d'euros.
C'est le budget annuel des abonnements à l'université de Lille. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est pas rien, quand même. Une thèse, en comparaison, ça coûte juste 100 000 euros. Attends, je vais faire le calcul. Alors, tu mets combien de zéros dans 3 millions? Ben, René, t'en mets 6. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, tu te rends compte qu'avec ce budget, vous pourriez payer 30 thèses par an? Eh oui, 30 thèses. Ah oui, ben... C'est oui. Énorme. Ah, oui. Bon, et du coup, tu penses pouvoir le terminer ou pas, ce boulot? Hein? Plus le temps? Ben, René, évidemment, il faut que je le termine. Nous, les chercheurs, on doit publier. C'est vital. Vital. Publish or perish. Ça te dit quelque chose? Ah non, ça me dit rien, mais c'est beau quand tu fais ça, Albert. Waouh! Ça envoie, hein? Ouh là là. Et on va t'appeler d'ailleurs, tiens. Ha! Ouais. Yeah! Ouais. Bon, en tout cas, quand tu auras fini ce travail, ce magnifique article, tu pourras m'en envoyer une copie, s'il te plaît, ça me ferait plaisir quand même de voir ce que tu fais. Ah hein, ouais. Quand t'en parles. Carrément, ah, bien sûr. Ah si. Ah bah non. Ça m'appartiendra plus. Je cède des droits d'auteur. D'accord. Mmh. Tu les cèdes à la fac, au ministère, c'est ça hein? Ah non, je les cède à mon éditeur privé. Donc, après 2 ans de boulot, tu cèdes comme ça ton travail à un éditeur privé? Après 2 ans de boulot, je cède mon travail à un éditeur privé. D'accord. Ok. Mais pourquoi tu fais ça, Albert? Je fais ça... Je sais pas, tout le monde fait ça. Et je t'ai dit, on doit publier, c'est vital. Ah oui. Eh oui. Ah oui, mais tu te rends compte que c'est ton éditeur qui possédera tes résultats, ton savoir, ta connaissance? Ouais, bon, bah ouais, c'est vrai que là, t'as pas tort. C'est lui qui finance son travail, c'est ça? Mais non, René, c'est une recherche publique, c'est sur les crédits du ministère. Ah oui, oui. Ah oui, les crédits du ministère. Mes impôts, monsieur! Hein? Ouais, ah, oui, les oui. Impôts, oui. Eh, j'en paye peut-être moins que toi, mais j'en paye, monsieur! J'ai compris, tu lis le vent, cet article. Mais non, René, je lui vends pas, je lui cède. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que mes impôts, ça va financer l'écriture de ton article, que tu cèdes à un éditeur privé, et qu'ensuite la bibliothèque doit payer des abonnements pour y accéder. Bien ça, hein? Oui, René. Ah, mais ça. Mais moi, je trouve que c'est beau, ça! Mais c'est une générosité, Albert! Waouh! Non, mais moi, à ta place, tu j'irai plus loin. Au moment d'envoyer mon article, j'enverrai un petit peu d'argent à l'éditeur en même temps! Hein? Allons-y! Non, c'est pas vrai! Non, dis-moi pas qu'en plus de ça, tu lui files des sous! 2000 euros. Attends, j'ai pas compris, là. 2000 euros. Non, mais vas-y, dis-le moi franchement, arrête de tousser, là. Bon, ok, René, des fois, quand on voit un article, tu peux payer un peu 2000 euros pour que ce soit en accès libre. D'accord. Ah ouais, payer pour publier. Ah bah c'est l'arnaque totale, ton truc, j'aime bien. Et du coup, si tu payes pas cet argent, comment font les chercheurs de New York, Montpellier, Paris, louent en cuiseau pour accéder à ces articles? Bah, ils demandent à leur bibliothèque d'acheter mon article. C'est comme les références qui manquent, tu sais.
Ah oui, ça me dit quelque chose, hein, effectivement. Ouais. Ouais, la bibliothèque, l'argent public, mes impôts, monsieur. Oui, bon, tes impôts. Sinon, on peut aussi... Bon, c'est à toi de jouer. On peut aussi quoi, Albert? Ah non, merde, laisse tomber, c'est une bêtise. Allez. Bon, écoute, Albert, tu peux me le dire. Écoute, on est entre nous, là. Vas-y. Vas-y, dis-le-moi. Bon, René, tu le répètes pas. Hein. Non, non, non. Il paraîtrait que certains chercheurs... pas moi. Certains chercheurs téléchargent illégalement des articles scientifiques en peer-to-peer. Ah oui, en peer-to-peer, monsieur. Ah bah oui. Non, mais bientôt. Comme la musique et les films, quoi. Hein? Ouais. Non, mais bientôt, Albert. Tu vas finir à vendre tes articles sous le manteau comme ça au marché noir. Bah quand même pas, René. Bah quand même pas, René. Mais qu'est-ce que t'es mou? Mais c'est un scandale. Enfin, qu'est-ce que t'attends pour te révolter? Tu vois, moi, j'ai plus envie de jouer aux boules. Ok? Je reprends ma bière, monsieur. Tu n'as même pas daigné finir. C'est un scandale. 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 René? René, on n'a pas fini la partie, c'est à toi de jouer. René? René, me laisse pas tout seul. René? René, attends!